Bonjour à tous, j'espère que euh, vous allez bien en ce euh, mercredi 21 juin fête de la musique où euh, d'ailleurs il fait une chaleur euh, à euh, crever euh, et on a décidé d'aujourd'hui euh, parler d'un sujet qui est beaucoup évoqué dans la communauté mais qui j'ai l'impression a un peu du mal Alors, dans la communauté NoCode hein, mais qui a un peu euh, du mal finalement à émerger parce que c'est un sujet assez technique, assez juridique aujourd'hui on va parler de RGPD et NoCode et pour ça j'ai la chance euh, d'inviter Edouard du coup de l'entreprise Leto.Légal qui a une véritable spécialité RGPD qui a créé un logiciel en fait autour de ça avec, euh, avec son équipe, tu vas pouvoir nous en parler mais euh, merci beaucoup édouard d'avoir accepté l'invitation déjà est ce que tu vas bien Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Et ça va très bien. <laughs> Super, trop bien. Écoute, euh, un grand merci euh, de venir nous parler de ça. Effectivement, la question du RGPD, donc c'est le règlement général euh, autour des, euh, des données personnelles. Tu vas pouvoir en fait nous en parler euh, un peu plus euh, longuement. Alors, avant qu'on euh, démarre sur euh, ce sujet-là, euh, bah, j'aimerais bien tout simplement que tu puisses euh, bah, te présenter et puis présenter effectivement euh, l'étau pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Avec plaisir. Euh, alors je suis donc Édouard, cofondateur de Leto. Euh, point important, je pense, pour démarrer. On, on dont vous avez juste avant. Donc, je ne suis pas juriste de formation, donc euh, vous avez en face de vous quelqu'un qui a plutôt vécu le RGPD euh, d'un point de vue opérationnel, donc euh, euh, c'est comme ça qu'est née la solution Leto, on a voulu penser à une solution SaaS qui vient automatiser et simplifier la mise en conformité au RGPD, notamment pour les personnes qui n'y connaissent rien, comme euh, ça a été mon cas, puisqu'avant euh, avant Leto, j'ai été notamment euh, CPO d'une boîte qui s'appelle Live Mentor, donc euh, on faisait de la formation du coaching pour entrepreneurs, j'ai monté une boîte .fr, qui s'appelait VroomVroom.fr, qui Toujours le premier comparateur d'auto-école en France. Euh, j'ai bossé aussi dans une, euh, j'ai monté une boîte qui faisait de la réservation de soins beauté et bien-être à domicile. Donc j'ai monté plein de projets. Et à chaque fois, il y avait toujours plein de données personnelles et euh, et euh, le sujet du RGPD euh, finissait par émerger, ou du moins la question de la donnée personnelle émergeait également. Comment la sécuriser Comment euh, euh, documenter pour se mettre en conformité Et, euh, et c'est un peu euh, de ces euh, différentes euh, expériences que notamment Leto est né. Et donc, on a pour ambition, grâce à la technologie, de venir simplifier au maximum ce travail, faire gagner du temps aux équipes et également rassurer toutes les parties prenantes d'une entreprise. Donc, par exemple, des prospects ou des grands comptes qui veulent bosser avec une, une boîte. Eh bien, cette boîte, avec les taux, va pouvoir démontrer qu'elle a fait beaucoup de choses pour être conforme au RGPD. Ok, génial. Un grand merci pour pour cette présentation. J'en ai profité. J'espère que tout le monde voit bien. J'en ai profité pour pour vous montrer donc le, le site de Leto. D'ailleurs, le site de Leto qui, euh, si je regarde, je crois est fait, euh, est fait sur euh, sur Webflow, si je si je me trompe pas. Tout à fait. J'ai aussi une, une passion pour le No Code, donc euh, euh, j'ai été à un moment euh, partenaire euh, à l'époque Integromat. <laughs> j'ai bouffé pas mal d'automatisation et donc euh, et donc quand on peut, on utilise le No Code chez Leto. Euh. Ça fait partie de la culture. D'accord. Et, et du coup, tu as découvert le no-code à partir, de, à partir de, de quand, en fait euh, alors, moi, Tu n'étais dévelop alors... pas développeur à l'origine, j'imagine. Non, moi je suis pas développeur, j'ai fait une école de commerce, euh, mais je fais du... Je suis un peu un codeur du dimanche. Donc j'ai fait du, du, fait du PHP il y a une quinzaine d'années, j'ai fait du Ruby on Rails il y a une dizaine d'années, et puis euh, j'ai jamais été très bon en dev, et puis j'ai découvert WordPress. Euh, vers les années 2013-2014. Donc, si on peut parler de nos codes, on va dire que j'ai utilisé un peu l'ancêtre du nos codes très longtemps. Euh, donc, je, WordPress. Euh, j'ai fait une formation WordPress pour LiveMentor aussi. Enfin, voilà, j'étais assez, euh, assez bon sur le sujet, on va dire. Et puis, j'ai découvert Webflow, je pense, il y a 2-3 ans maintenant. Ouais, je pense. OK. Euh, et, euh, et là, ça a été la révélation. Euh, donc, je suis tombé amoureux de de ce de, de cet outil là et, 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 et naturellement aussi euh, les autres ont suivi donc euh, Intégromat, maintenant make euh, en particulier je fais du glide je fais mal de trucs D'accord. Bon, tu testes pas mal d'autres ouais. outils de code sur le, sur le sujet. De toute façon, regarde ce que vous faites. T es un peu obligé finalement de les tester ouais. puisque, puisqu'il y a pas mal de données euh, euh, partout qui sont, qui sont mises ouais. en place. Alors, euh, je te propose qu'on rentre un petit peu dans le, dans le vif du sujet en fait, euh, tout de suite sur la question du, euh, du RGPD pour les Américains, je dirais dirait euh, plutôt GDPR. Euh, et, euh, et là, l'idée en fait, c'est de, de, on va pas tellement, forcément parler technique autour des outils no code comme vous avez l'habitude de le voir par exemple dans les autres lives en fait euh, euh, qu'on fait. Là l'idée c'est qu'on va parler donc d'un sujet qui est euh, juridique et surtout en fait d'une démarche qui va être... Pratique, puisque Edouard, c'est ce que tu me disais finalement en off, en fait, avant, tu as une démarche en fait finalement pratique du sujet du, du RGPD qui n'est pas, euh, qui est quand même pas si évident que ça en fait à ta clé. Là, l'idée c'est d'échanger en fait sur les bonnes pratiques euh, que, que vous avez pour savoir comment, lorsqu'aujourd'hui on utilise des outils no code, hein, que ça soit effectivement, tu en as cité un, hein, du Webflow, du Glide, du RT Ball, euh, du, du Bubble, etc., euh, oh. du Make aussi, euh, comment est-ce qu'on peut faire pour être. En conformité, alors soit le plus possible, soit complètement en fait être euh, ce qu'on appelle RGPD euh, compliante euh, et donc euh, plutôt donc euh, conforme conforme RGPD. Je, je crois que c'est ça le, mm -hmm. le le terme. Euh, et du coup avant de démarrer, parce que peut-être que tout le monde euh, est pas nécessairement au fait de savoir ce que c'est que le RGPD, est-ce que tu peux du coup nous bah, nous présenter alors évidemment pas forcément en détail, mais quand même les grands alors... les, les points importants en fait du RGPD. Euh, carrément. Donc le, le RGPD, c'est un règlement européen qui, euh, qui est né il y a cinq ans maintenant. Euh, et l'objectif, il est très simple. Il est de euh, protéger les données personnelles des citoyens européens. Voilà. En gros, si je devais le résumer, c'est est comment est-ce que euh, on peut aider les entreprises à mieux protéger les données personnelles des, des, des citoyens européens. Et de là, de cette vision, découle un certain nombre de, de recommandations, de règles, de cadres que, que le RGPD propose, avec effectivement une, parfois une, une dimension assez légale. Euh, mais ça reste une démarche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas, pour le moment, de certification qui permet de dire, bam, j'ai un tampon, je suis conforme, un peu comme vous l'auriez sur ISO 27001, par exemple. Ouais. Donc c'est plutôt vraiment cette logique de, 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 de démontrer qu'on a compris le sujet et qu'il fallait, moi, en tant qu'entreprise, euh, rentrer dans cette démarche, établir une feuille de route pour euh, être toujours plus proche du respect des droits des citoyens européens et de la protection de leurs données personnelles. C'est un, un peu ça le cadre. Et ensuite, si on, si on prend un peu de hauteur, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un sujet géopolitique. Euh, ouais. Finalement, protéger les données personnelles des citoyens européens, c'est vis-à-vis euh, -vis de qui Vis-à-vis <laughs> -vis, potentiellement d'autres acteurs, euh, comme les Américains euh, ou les Chinois, hein, qui ont aussi euh, leur propre RGPD, s'appelle le PIPL, et qui est extrêmement, euh, extrêmement euh, dur euh, pour, pour les acteurs extérieurs, si on veut euh, collecter euh, de la donnée euh, de Chinois, par exemple. Donc, euh, donc voilà, c'est à la fois quelque chose qui a il y a une, une, une volonté je trouve il y a une éthique euh, forte et il y a aussi un enjeu géopolitique sur le, sur le RGPD voilà un peu le je peux dire le cadre très très général de cas ma lecture et alors pour, pour, pourquoi euh, pourquoi finalement c'est euh, c'est important en fait de, de, de le respecter euh, avant on avait en fait une notion en fait on... On peut les données personnelles, juste si on revient d'un point de vue historique, en fait, comment c'était fait, on prenait n'importe quel type de données, on faisait n'importe quoi avec. Je me souviens qu'il y avait quand même la loi informatique et liberté qui nous disait ouais. toujours si vous voulez, vous pouvez en fait réécrire au webmaster euh, pour lui oui. dire de supprimer, modifier euh, ou ajouter des éléments sur, euh, oui. sur vos données. Est-ce que ça vient en fait confirmer le cadre législatif qui existait déjà avec euh, la loi informatique et liberté Est-ce que ça vient la, la, la modifier c Comment ça se passe juste sur sur, ouais, le... Le, bah, le règlement s'impose à tous par-dessus, hein, donc il est mécaniquement plus important euh, et il va donner un cadre qui, euh, qui est le même euh, dans toute l'Europe. Donc, ça, c'est quand même assez, assez, assez puissant, ce qui n'était pas le cas de la loi informatique et liberté, puisqu'elle a été. Euh française. Euh, donc, là, on a quelque chose de commun avec l'ensemble des pays de l'Union européenne, et donc, ça, c'est un sujet qui est aussi important à avoir en tête. C'est-à-dire qu'il euh, y a toujours des petites disparités, des petites modifications, des petits changements entre, entre les pays quand on regarde euh, les textes de loi qui viennent. Euh, parfois changer des durées de conservation de données, ce genre de choses. Mais globalement, l'esprit est le même partout. Euh, et il s'impose à tous, à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, avec euh, bah, des niveaux d'obligation qui ne sont pas exactement les mêmes euh, si on est en dessous ou au au-dessus de 250 salariés, par exemple. Mais, euh, mais c'est quelque chose d'obligatoire. Euh, et l'enjeu, c'est euh, maintenant, en tout cas de nous, ce qu'on qu perçoit de, de, de l'importance du RGPD dans, dans, dans le marché, c'est que ce n'est pas tant un sujet... De peur, de contrôle et de sanction, ce qui était à l'origine. Donc euh, aujourd'hui, vous avez la CNIL, euh, qui est une, okay. une entité administrative qui va venir faire deux choses, notamment soit de la pédagogie sur euh, l'importance du RGPD, et contrôler et sanctionner. Et donc, euh, elle va euh, faire du contenu, faire des formations, accompagner les entreprises pour la mise en conformité au RGPD. Elle va aussi recevoir des plaintes de la part des citoyens européens. Et d'autre côté, elle va pouvoir contrôler les entreprises et, si elle, elle y a des manquements, les sanctionner. Donc, historiquement, c'était très ça l'élément déclencheur pour euh, se mettre en conformité. Et, et, et aujourd'hui, ça a un peu changé. Euh, si je devais prendre une, une analogie un petit peu euh, technologique, euh, pour moi, le RGPD a suivi un peu la courbe de l'innovation, tu sais, avec euh, les early adopters au début, et puis ensuite, ouais, tu as un okay. Sauf que les early adopters du RGPD, ce c'est pas les, les start-upers dans leur garage, c'est les CAC 40. Ouais. <laughs> c'est assez marrant. Donc, tu as, as d'abord les très, très grands groupes qui s'y sont mis de, de, de peur d'un point de purement légal, euh, voilà, des sanctions, etc. parce que c'est là-dessus que, que la CNIL allait mettre son énergie. Et, et puis et maintenant... les sanctions juste pour comprendre. Euh, euh, Excuse-moi, je, je te coupe juste sur ah. ça. Pour les sanctions, en fait, sont quand même euh, importantes. Ces boîtes du 440 avaient peur parce que les sanctions, en fait, sont euh, sont. Ouais, sont, sont je crois que c'est 5% du chiffre d'affaires. C'est pas ça. Euh... 5 du Chiffre d'affaires mondial. Ouais. Euh, donc c'est donc ça peut être ça peut monter ça peut monter assez haut. Euh, et, donc, et donc, effectivement, ces, ces boîtes-là. Et puis, tu as un enjeu aussi réputationnel très fort, hein, c'est-à-dire que de plus en plus. C'est-à-dire que si tu prends un, un contrôle, une sanction de l'ACNIL, l'ACNIL n'a pas peur d'en de faire un communiqué de presse, se met sur son site, ça part dans les médias, donc c'est pas très cool. Euh, et donc, euh, voilà, en tant que grand compte, tu n'as pas forcément envie d'être ouais. en, une, en une des médias euh, sur ce sujet. Et, et en fait, ce que, ouais, ce que je disais, c'est que maintenant que, les, que, que, que tous les, les, les grandes entreprises se considèrent conformes à un GPD, euh, la force du RGPD, c'est que c'est un sujet en cascade. Ça veut dire que en dessous, pour rester conforme, ou euh, maintenir les efforts de conformité, il faut que les sous-traitants qui travaillent avec moi soient également conformes. Et donc okay. mécaniquement, toutes les structures de taille intermédiaire, voire plus petites, qui veulent bosser avec les, 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 les grands comptes, eh ben, sont obligées de se mettre en conformité. Sauf qu'elles n'ont pas des armées de, de, de juristes, elles n'ont pas les moyens de se payer des milliers d'euros d'avocats chaque année pour mettre à jour la conformité, etc. Et donc là, il commence à y avoir un sujet intéressant qui est qu'il bah, y a un besoin de, de, de se mettre en conformité beaucoup plus fort en volume de la part de beaucoup plus d'entreprises, mais il n'y a pas forcément euh, la bonne réponse euh, en face parce qu'on ne peut pas euh, tout le temps utiliser du service pour se mettre en conformité. Euh... Étant donné que, en fait, ce qui se passe, et c'est d'où la raison d'être de ce que je comprends finalement de ce que vous avez monté chez, euh, chez Leto, c'est que la réalité, c'est qu'en fait, le RGPD impose qu'il y ait une personne référente dans chaque entreprise. Euh, tu me dis si je me trompe, hein, euh, euh, impose qu'il y ait une personne référente, en fait, sur la question des données en entreprise. Je ne sais plus comment est-ce qu'on appelle ça, un référent. Ouais, ouais. Euh... Un, un DPO pardon voilà pour on fait ça exactement et donc du coup dans chaque entreprise donc effectivement on peut imaginer que dans une boîte du K40 ça soit assez euh, entre guillemets simple de nommer une personne euh, dessus même si le travail derrière il est complexe euh, dans une petite PME de 10 personnes euh, qui finalement est en règle générale un peu au four et au moulin euh, la question des données en fait est, est pas souvent euh, facile et nommer un DPO bah, finalement c'est une compétence encore euh, Supplémentaires, et, euh, ouais. et c'est là que ça devient compliqué parce que bah, de se nommer cette personne qui n'est pas forcément juridique, d'où le fait que vous ayez monté les taux, si je comprends bien. Ça, exactement. Aujourd'hui, nous, on s'adresse euh, aux PME, hein, donc des boîtes entre 10, 15 jusqu'à 1000 salariés à peu près, et dans 80% des cas, le DPO, c'est une casquette. C'est que c'est un taf en plus d'un vrai ouais. métier, si je puis dire, euh, qui peut être celui d'un directeur marketing, d'un CTO d'un dirigeant, euh, d'un data analyst, parfois, ça, ça dépend de la typologie de l'entreprise. En plus, c'est pas toujours au même endroit que le DPO se trouve. Et donc celui-là, il va avoir la responsabilité de dérouler la feuille de route RGPD, mais il a un temps extrêmement limité. Il ne connaît pas bien le sujet, euh, ce n'est pas forcément un, un lieu de motivation très fort. Et donc, euh, et donc il y a un enjeu pour, pour lui de s'équiper pour euh, rendre ça plus simple. Okay. Et, et c'est d'autant plus important, et ça c'est l'autre vague du marché, hein, c'est que non seulement il y a un effet dans le B2B sous-traitant, etc., mais il y a aussi un effet côté citoyen. Maintenant que le RGPD est là depuis cinq ans, il ne se passe pas une semaine, un mois où il n'y a pas des data breach, des violations de données personnelles. Dans n'importe quelle entreprise dans le monde. Et donc, c'est un effet assez important euh, sur la perception des citoyens Et aujourd'hui, la plupart des chiffres montrent que euh, ouais, tu as 90% des Français qui euh, sont inquiets de l'usage de leurs données personnelles. C'est peut-être 89, hein, c'est étude de l'ACNIL de 2021. Il y a des chiffres qui montrent que euh, plus de 40% des Français sont prêts à payer plus cher un service quand ils ont une meilleure réassurance sur euh, l'usage de leurs données personnelles. Euh, donc voilà, il y, y, y a de plus en plus d'études qui montrent que c'est un sujet de sensibilité, au même titre que l'impact carbone, que la RSE au sens large. Euh, la protection des données personnelles vient de plus en plus s'intégrer dans euh, le, la démarche d'achat, et donc c'est intéressant pour les entreprises de montrer qu'elles font les efforts aussi sur ce côté-là quand elles sont en B2C. Un peu en mode Apple, quoi. tu vois ouais. Donc a... c'est pour ça que nous, dans nos clients, on a deux grandes typologies. On a soit des plutôt des, 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 du B2B, mais on a aussi du B2C, des gros e-commerçants. Ah oui. OK. Et alors du, du coup euh, ce qui se passe c'est qu'il y a une, une histoire un peu de, de carottes et de, et de bâtons parce que finalement pourquoi les gens mettraient en place euh, un DPO ou de cette protection des données Alors tu le disais finalement c'est parce qu'il euh, y a euh, ouais, cette volonté bah, finalement de, de comprendre, euh, fin de, de comprendre l'ambiance dans laquelle en fait sont les citoyens aujourd'hui qui ont envie ouais. qu'on euh, respecte de plus en plus leurs données Mmh. Euh, ce qui paraît normal et euh, ce sur quoi joue effectivement euh, euh, Apple. Et ensuite, effectivement, euh, cette côté, ce, ce côté, euh, même si aujourd'hui, tu es une petite PME et que potentiellement, on vient te, te vérifier en fait, ce que tu fais au niveau des données, si jamais tu n'es pas à raccord, en fait globalement, ce qui va se passer, c'est que c'est 4% de ton chiffre d'affaires qui va partir. Alors, peut-être que tu as des exemples de... de, de, de Déjà de sanctions qui sont qui sont Ils passées. Sont Alors déjà sur, sur des sur des PME, il y a déjà eu des, ouais, des sanctions. Il y, a, il y en a plein, il y en a plein. Alors, deux, deux choses. La première, c'est que dans ce que tu disais, tu as soit tu as le risque de contrôle et de sanctions, mais tu as aussi le risque juste de perdre ton client. C'est-à-dire que si toi tu es une PME, tu bosses avec un plus gros compte. un ouais. grand compte, lui, il peut à tout moment t'auditer et te demander des infos complémentaires sur ce que tu as mis en place en matière de conformité RGPL. Donc si tu n'es plus dans les standards de ce grand compte là, bah, en fait, ce n'est pas la like CNIL, c'est plutôt le, ton client qui perd. Et donc, nous, on a nos clients qui viennent nous voir en disant, bah voilà, j'ai telle tel, tel big, big boîte qui vient et, et je dois montrer que je suis conforme au secours. Quoi. Et comment est-ce que je peux faire ça dans la durée okay. euh, C'est pour et ça que c est, c est, ça, ça s'accélère. Et ensuite, sur la question des sanctions, si on revient sur, sur la CNIL, mmh. la, la typologie des boîtes, oui, la CNIL communique beaucoup. Euh, sur les, les grosses les, les gros sanctions sur les GAFAM mais tu as aussi si tu regardes dans le détail des sanctions sur des, des, des indépendants des médecins qui sont fait sanctionner 3000 euros par ci 3000 euros par là ouais. parce qu'ils laissent scanner euh, des photos de patients sur les serveurs non sécurisés donc, tu as des PME de toutes les tailles, des startups qui ont pris 20 000 euros parce qu'elles ont euh, d'amende et puis euh, un, gros, euh, un gros shame euh, en ligne parce qu'elles ont communiqué auprès de centaines de milliers de, de mails sans consentement. Donc, il euh, donc, y, y a plein d'exemples de, plein, plein de, de tout, tout type de boîte et de toute taille. Euh, des Scale-up aussi. Je sais pas si tu connais Voodoo euh, qui fait du jeu vidéo. Ils ont du jeu vidéo. Ouais. Et, je sais pas, un, 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 un trois millions, je sais plus combien, mais plusieurs millions d'amendes de, de, là, il n'y a pas longtemps, parce qu'ils collectaient de l'info sans consentement sur leurs apps mobiles. Donc, euh, toutes les tailles, euh, tous les types de boîtes, tous les secteurs euh, sont concernés maintenant. Donc, aujourd'hui, en fait, c'est un sujet finalement euh, pour tout le monde et, euh, et c'est complètement raccord avec ce qu'on fait aujourd'hui, puisque effectivement, si le no-code c'est l'opportunité en fait de euh, mettre en place finalement des, des logiciels. Euh, de manière en fait, euh, plus facile grâce à de la programmation visuelle. Ça donne accès à finalement plus de monde sur la possibilité aujourd'hui euh, ben, de euh, mettre en place euh, ces logiciels au sein des entreprises. Et donc la conformité RGPD, ben, c'est quelque chose en fait, qui va toucher tout le monde. Donc ça, est, euh, euh, on, est, on est parfaitement au raccord sur le sujet. Et alors si je, je me rends compte que la question d'après que j'ai envie de te poser, elle est, euh, elle est un peu... Euh, elle est un, elle est un peu euh, Facile à répondre parce qu'on pourra avoir une checklist, mais euh, globalement, euh, ça serait quoi les, les, les... 3, 4, peut-être 5, je sais pas, peut-être qu'il y en a 10, 15. Mm. Euh, les, les, les points importants en fait que tu verrais euh, à mettre en place, donc là on parle vraiment en fait sur les outils no code hein, que vous avez l'habitude ouais. euh, d'utiliser, ouais. dont on a parlé en fait au début. Hein. Donc ouais. euh, au niveau de la base de données, on va, on va parler de choses hein, comme euh, RT SmartSuite, Smart Suite, euh, base Raw, euh, ou autre. Ouais. Euh, sur euh, de l'automatisation, ça va être du Zapier, du Make et, et du N8N. Mm. Et puis globalement, après vous allez avoir les gros euh, Bubble, WeWeb, euh, Webflow, euh, etc., qui, qui sont là. Ces, ces outils là dont on, dont on parle, est-ce que tu oui. vois des points importants à regarder en fait sur, sur, oui. sur, sur ce sujet euh, en no-code Carrément. Euh, je pense que le, 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 le débat principal sur le no-code, c'est ce qu'on appelle les transferts hors lieu de données personnelles. Donc en fait, <laughs> un des enjeux aujourd'hui, c'est que euh, le RGPD et les lois américaines ne sont pas euh, compatibles. Alors, en gros, il n'y a pas ce qu'on appelle d'adéquation entre euh, ce qu'attend en termes de mesures de sécurité l'URGPD et ce que la loi américaine prévoit. Pour l'affaire hyper caricaturale, le gouvernement américain peut décider à tout moment d'aller euh, regarder ce qui se passe dans une base de données d'une boîte américaine et donc d'avoir accès aux données personnelles qui s'y trouvent. Et donc, y compris celles d'Européens. Et okay. ça, c'est contraire à ce qui est attendu par l'URGPD. Donc... Euh, il y a eu ce qu'on appelle la fin du Privacy Shield, c'est-à-dire un accord qui avait entrefois euh, entre les, les États-Unis et l'Europe. Il a été cassé par un, un gars qui s'appelle Schrems, qui est un avocat autrichien et qui en gros a, <laughs> a déposé plainte et tout un machin qui a fait que finalement on s'est aperçu que ce n'était pas compatible. Et donc là, depuis quelques, quelques mois, ils essaient de se remettre d'accord, mais pour l'instant, ce n'est pas encore du tout acté. Donc, le sujet numéro un, ça va être, à mon sens, déjà la nationalité. J'ai bien la nationalité de l'entreprise, nos codes avec laquelle vous bossez. Vous bossez avec une boîte comme Make, si mes souvenirs sont bons, ils sont européens. Ce n'est pas pareil que Zapier. Donc déjà, ils ne sont pas soumis aux mêmes lois. Euh, WeWeb, c'est français, il me semble. Ouais. Euh, Webflow, c'est américain. Euh, si vous prenez de l'open source et que vous l'hébergez sur un, un, un provider français ou européen, déjà, vous baissez drastiquement le niveau de, 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 de stress ou de, de problématique qu'on peut avoir, puisque bah, à du moment où les données sont en Europe et sont, et je resiste là-dessus, stockés par des entreprises européennes, il n'y a pas de souci. Si Même les données si sont en... ces ouais. entreprises, c'est des américaines qui ont des data centers en Europe. Exactement. Exactement. Amazon, euh, Google Exactement. et tout, qui ont aussi des data centers en Europe, mais euh, qui restent euh, des entreprises américaines. Exactement. Et ça, ce n'est pas parce que vous avez des serveurs qui sont physiquement en Europe que ça empêche le gouvernement américain d'appliquer sa loi et donc d'accéder aux données. Ça, c'est hyper important à avoir en tête. Euh, donc ça c'est le premier, je dirais que c'est le premier filtre, c'est de se dire ok dans quel cas je me trouve, est-ce que mes données elles sont bien en Europe ou est-ce qu'elles sont pas en Europe. Euh, Alors si elles... excuse-moi juste pour bien comprendre, ça veut dire que si moi j'héberge mes données sur Amazon euh, en Europe euh, et que je me dis que c'est que je me dis c'est bon, la réalité toi tu me dis non c'est une entreprise américaine donc du coup le gouvernement américain potentiellement hein, vraiment on met des guillemets et, et en majuscule ah oui. pourrait potentiellement venir en fait ouais. euh, sur ces serveurs européens pour reprendre cette donnée en fait. mais on a un point de vue purement RGPD dans la déclaration, la documentation que tu es censé construire par-dessus euh, ce que tu mets en œuvre hein, ce qui ce qu'on appelle le, notamment le registre des traitements de données personnelles. Donc c'est un peu ta bible qui décrit comment tu traites les données personnelles. Parce que où tu les mets sur AWS, tu as ce qu'on appelle un transfert hors -UE, même okay. si les données sont sur un serveur géographiquement en Europe. Donc ça c'est ça c'est un point important. Ensuite, il euh, y a quand même il faut garder à l'esprit, c'est pour ça que je ne veux pas dramatiser la, la, la situation. Il y a beaucoup de flou euh, sur euh, cette question euh, du transfert orieux avec les GAFAP qui ont mis beaucoup de, euh, de mesures de sécurité. Il y a des arrêtés du Conseil d'État. Je pourrais vous mettre un, un lien sur un article qu'on a rédigé où on a regardé effectivement euh, ce qu'avait décidé le Conseil d'État dans certains cas de transfert orieux. Euh, je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire avec Doctolib qui utilisait pendant le Covid euh, AWS pour stocker un certain nombre d'informations, mais pas tout, euh, et donc c'est monté au Conseil d'État parce que des associations de consommateurs se sont révoltées contre contre ça. Finalement, ils ont eu à plus ou moins un gain de cause parce que euh, Doctolib faisait l'effort de crypter de bout en bout l'ensemble des données qui étaient utilisées et stockées sur AWS. Donc, on peut utiliser, utiliser ces boîtes américaines, mais il faut que la donnée qui soit stockée finalement ne soit pas tant personnelle que ça. Puisqu'à partir du moment où une, une, une donnée personnelle est anonymisée, ce n'est plus une donnée personnelle. Euh, et donc, pour la petite histoire, Doctolib utilisait une entreprise qui s'appelait Tanker <laughs> et pendant cette période-là. Et juste après, ils ont quasiment racheté la boîte qui, qui leur permettait d'anonymiser de bout en bout euh, les données. Parce qu'in en fine, c'est quand même un sujet extrêmement, euh, extrêmement touchy. Il euh, y a eu un, un, autre, un autre arrêté de conseil d'état, je crois, pour euh, Azure, où euh, dans, un, dans certains cas, euh, il a été considéré que ce que euh, Microsoft avait mis en place était good enough par rapport euh, au RGPD. Voilà donc. Il ne faut pas dramatiser, euh, tout n'est pas hyper, euh, hyper fixé dans le marbre, mais la bonne pratique de manière générale, le, le, le cadre global, je pense, la première chose c'est quand même de regarder où sont les données, euh, dans quel type d'entreprise euh, le, les conserve. Une fois qu'on a ça, si on est dans le cas euh, d'un transfert hors lieu, donc une entreprise américaine collecte les données, bon bah là il faut, il faut aller un peu plus loin pour essayer de, de, de faire ce qu'attend l'esprit du RGPD, c'est-à-dire comment est-ce que je protège ces données Vis-à-vis euh, -vis, euh, vis -vis de l'extérieur, vis-à-vis euh, des lois non, non européennes. Et euh, par exemple, sur Airtable, si euh, vous êtes absolument euh, obligé de stocker de la donnée, euh, dessus, de la donnée personnelle dessus, bah, c'est mieux si vous ne la stockez pas trop longtemps, par exemple. Euh, si euh, c'est facile de pouvoir euh, donner l'exercice des droits, donc de pouvoir la supprimer facilement euh, de la part d'un utilisateur. Euh, évitons euh, des données qu'on pourrait penser à caractère sensible, donc des données de collaborateurs avec des numéros de sécu, des rives ce genre de choses. Voilà, donc il y, y a plein de choses qui sont euh, euh, déjà du pragmatisme pour montrer qu'on fait vraiment attention à ce qu'on fait euh, en matière de données personnelles lorsqu'on sait que les données sont transférées à, à l'extérieur de l'Union européenne. Okay. Si euh, justement on, on démontre leur... Potentiellement d'un contrôle, tu vois, on a utilisé du, euh, on a RT ou autre. Alors, je veux pas faire euh, juste RT Ball, ça, ça peut être vraiment mmh. d'autres outils en fait de, de stockage, mmh. RT Ball ou euh, Smart Suite ou autre pourraient être des, des bons exemples. C'est quand même des, mmh. des outils de base de données qui sont stockés en fait aux États-Unis, qui sont des boîtes américaines. Euh, si on démontre qu'on a essayé de conserver cet esprit du RGPD, est-ce que du coup, ça suffit entre guillemets pour se pour se dédouaner ou euh, en tout cas euh, du on, coup, reste, euh... on reste toujours responsable euh, donc s'il y avait un gros pépin entre guillemets euh, on reste euh, en tant que ce qu'on appelle responsable de traitement c'est-à-dire responsable de, de, de l'usage de la donnée personnelle tu es responsable vis-à-vis -vis de vis-à-vis euh, -vis de la CNIL de ce qui se passe euh, ensuite quand tu regardes les décisions qui ont pu être prises euh, par la CNIL quand elles ont quand elle a donné des sanctions elle va être plus ou moins indulgente sur le montant de l'amende, <laughs> euh, si ouais. l'entreprise en face a, a été dit, rapidement fait des correctifs. Discord, par exemple, a eu une, une grosse amende euh, il y a quelques mois. Bon, bah, si tu regardes dans le détail, euh, ils ont su rapidement répondre à un certain nombre d'exigences et donc euh, la CNIL a été euh, relativement tolérante. Tu vois, je suis pas sûr que euh, dans le cadre de Voodoo, euh, euh, bon, bah, il peut-être eu, euh, ils ont, ont peut-être pas vu la, eu la même perception, j'en sais rien. Mais en okay. tout cas, euh, c'est important, effectivement, dans tous les cas, de montrer qu'on qu a fait les efforts, que parfois, il n'y avait pas forcément d'alternative. Ça, c'est intéressant aussi de pouvoir dire, bah voilà, je, je l'ai fait comme ça, parce qu'il n'y a rien sur le marché européen qui me permet de faire autrement. Euh, et, euh, et voilà toutes les mesures que j'ai prises pour sécuriser l'accès à la donnée. Je sais que Airtable, par exemple, va me prévenir quand même en avance si le gouvernement américain veut accéder aux données. Principe, ils il donnent ouais, un, il donne okay. un délai de quelques jours pour pouvoir fermer ton compte <laughs> avant de, avant, voilà, avant de donner accès aux données. En tout cas, ils, eux s'engagent à mettre de la friction entre guillemets avec le gouvernement américain. Euh, bon, voilà, et donc être au courant de ces sujets-là, pouvoir les formaliser et, et en cas de contrôle ultime, pouvoir dire bah, voilà, j'ai ça, ça, ça quand même que j'ai comme garde-fou, donc ça réduit mon risque. Euh, c'est déjà, c'est déjà très bien. Après, on peut pas garantir. Euh, l'output et encore une fois je pense que dans le no code notamment quand on a une agence un freelance no code une agence no code et qu'on bosse avec des boîtes qui elles-mêmes postent avec des, des plus gros euh, bah, l'important c'est de capable voilà, d'apporter des éléments de réassurance très forts pour que pour que pour que le business euh, tourne quoi. Ok. Euh, petite question que, que j'avais envie de te poser, et d'ailleurs dans, 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 dans le chat, hein, euh, François-Xavier en, en, en parle. Euh, en fait, comment est-ce qu'on définit une donnée personnelle Parce qu'en fait, la, la question des données, toutes les données, entre guillemets, j'ai envie de dire, ne se valent pas. Et euh, lorsqu'on crée une base de données, lorsqu'on crée un outil no code, eh ben, on ne va pas récolter les mêmes éléments. Euh, et donc, du coup, effectivement, de la donnée de santé. Ou euh, un CRM avec, euh, je ne sais pas, un numéro de téléphone ou autre, ou un mail, peut-être que ça ne se vaut pas, peut-être que ça se vaut, je ne sais pas. Ouais, bah t as, t as, t as... alors déjà, la données personnelles, le, le, le RGPD a une, une, une lecture euh, très large de ce que c'est. Donc il y a de la person... donnée personnelle qu'on appelle direct donc nom, prénom, tout ce qui va te, te permettre d'identifier de manière immédiate, des éléments qui sont indirects, donc des choses qui peuvent se rapporter à toi et qui peuvent permettre, en cas de croisement, de te retrouver. Et ensuite, tu as des données caractères, euh, des données sensibles ou des données considérées comme sensibles par la CNIL. Donc ça, ça va être des, des éléments qui vont être euh, très, euh, très, euh, très spécifiques à, à ta santé, par exemple, des données biométriques. Il y a, il y a plein de types de données qui, euh, qui, sont, qui sont considérées comme, euh, comme sensibles. Et donc, effectivement, à partir du moment où tu as quelque chose qui peut être rattaché à un individu, tu peux quand même considérer que est, on est proche de la donnée de, la donnée, de la donnée personnelle. Donc euh, là-dessus euh, je vous renvoie aux, aux différents il euh, y a des guides sur le site de l'ACNIL euh, qui sont pas trop mal faits qui, euh, qui rappellent un petit peu ce, cette logique qui est que bah, euh, ouais, une adresse IP bah, c'est une donnée personnelle par exemple. Okay. C'est pour ça que la données euh... n'est pas conforme. Ok, ok, ok. Euh, le, le, le point peut-être à, à noter, c'est que je pense qu'il y a quand même une attention toute particulière qui est, qui est mise, j'ai l'impression, sur les données de santé, avec un hébergement en plus qui est euh, notamment ce qu'on appelle HDS donc, euh, euh, qui est un hébergement. C'est des hébergements en fait qui sont prévus euh, spécialement euh, pour euh, héberger des données de santé. Donc avec des sécurités en fait, euh, euh, supplémentaires sur, euh, euh, sur ça. OK, c'est très clair. Alors moi, je me suis noté hein, quand même, on, on se, juste si je me refais un petit point. Visiblement, euh, tu nous dis euh, hébergement européen, déjà, c'est plutôt un bon point. Le mieux, si effectivement si une entreprise française ou européenne, c'est plutôt bon. La donnée, dans tous les cas, le mieux, c'est d'essayer de la chiffrer si possible. Et bien évidemment, le point, c'est d'essayer au maximum d'anonymiser les données euh, et si jamais bon euh, tout n'est pas forcément possible euh, c'est euh, de démontrer effectivement qu'il n'y a pas d'alternative possible et que on a tout fait pour essayer justement d'un point de vue pragmatique euh, de respecter cet esprit du rgpd avec des données temporaires de la suppression auprès de l'utilisateur euh, de justement ouais. pas mettre de données sensibles ou, ou, euh, voilà. ou autre Montrer qu'on est, euh, est bien euh, à l'écoute et euh, conscient euh, des droits des citoyens et donc euh, avoir toujours une porte quelque part qui permette à l'utilisateur de solliciter ce qu'on appelle l'exercice de ses droits, donc notamment la demande de suppression, la demande de copie, ce genre de choses. Ça, c'est toujours des signaux qui sont intéressants. Je ne parle pas juste des cookies, je parle vraiment voilà, de pouvoir écrire, remplir un formulaire pour dire ben voilà, moi, j'aimerais bien que mes données soient, 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 puissent être euh, supprimées. Et puis ensuite, euh, le dernier point, c'est de pouvoir documenter tout ça. Ça, c'est. Ça, c'est encore mieux, c'est de dire, bah voilà, non seulement j'ai opérationnellement mis en œuvre des choses, mais en plus, j'ai fait cet effort de bien comprendre euh, ce que j'ai fait et de bien le documenter pour pouvoir partager facilement l'information euh, à qui, à, à qui veut la lire point hyper intéressant puisque ça du coup en fait c'est des choses aussi euh, alors je, je, je le rajoute mais pour ceux qui sont freelance ou ceux qui sont euh, qui, qui ont des agences qui travaillent pour des clients euh, en vérité c'est un point que finalement vous devez faire mais c'est aussi un point sur lequel vous voulez sensibiliser votre client et c'est potentiellement aussi potentiellement une une, une prestation supplémentaire hein, quand même euh, aussi alors ouais. je sais pas pour parler euh, juste business mais la réalité c'est qu'en fait dans tous les cas visiblement de ce que je comprends il Faut faire ce travail donc euh, quelqu'un doit le faire à un moment donné. Le mieux, c'est qu'effectivement, ça soit fait par la personne qui est en charge de construire l'outil sur le... sur le sujet. Ouais, euh... un élément différenciant aussi dans les propositions commerciales. Enfin, ça permet ouais. de montrer qu'on est dans l'air du temps, quoi. Ok, 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 euh, très bien. Euh... Autre question que j'avais, mais là, je pense qu'il peut être beaucoup plus courte, hein, mais euh, euh, finalement, euh, j'ai encore du mal à, à savoir. Utiliser un outil américain, en fait, c'est du coup forcément interdit au regard du, du, du RGPD ou, ou en fait euh, c'est flou, quoi. <laughs> c'est ça Ouais, j'ai du mal à répondre que ce soit interdit. Euh, c'est plutôt flou et en fait, c'est au cas par cas. C'est-à-dire que selon la documentation de chaque outil, en réalité, euh, on va voir le niveau de sécurité qu'il propose et, euh, et donc, c'est une affaire derrière de bénéfices risque Donc moi je pense que c'est important de bien lire la documentation ou d'aller sur la chaîne YouTube de Leto où on fait des analyses d'outils no code euh, et, et on vous donne un petit peu la, les appréciations et donc les bonnes recours euh, selon chaque outil pour, euh, pour, euh, bah, pour se faire une idée de ce, voilà, de ce qui est important euh, de ce qui est important de garder en tête. Euh, et, et, et un des sujets ça va être effectivement le chiffrement et ça va être aussi la durée de conservation. C'est vraiment Mais... Ne pas laisser traîner en gros des données personnelles d'Européens trop longtemps sur des sur, 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 sur serveurs américains. Et euh, du, du coup, ça, l'idée, ça veut dire que par exemple, tous les ans, il faut renvoyer un email aux personnes en leur disant euh, On possède ces données-là, etc., que vous avez rentré parce que vous êtes ouais, un... oui, Et donc euh, voilà. Ça peut être ça, ou de dire bon, bah on va, en fait, euh, au bout d'un certain temps, bon, bah, je, je, ce sont des données que j'utilise plus de manière courante. Donc je, vais, je peux potentiellement les mettre ailleurs dans un espace euh, en Europe en mode archivage intermédiaire, tu vois, et donc euh, plus accessible sur, 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 sur un, par des Américains entre guillemets, tu vois. Okay. Euh, genre de... Et voilà, et éviter effectivement au maximum des données qui sont pas forcément sensibles, mais tu vois, le numéro de carte d'identité, numéro de sécu, c'est pas exactement de la donnée sensible euh, au sens du RGPD, mais c'est quand même de la donnée un peu euh, très très euh, personnelle, et donc mmh. c'est aussi éviter ce genre de choses. Euh... Euh, et puis ensuite bien évidemment vous vérifiez qu'on ne collecte aucune des données euh, pour lesquelles c'est normalement interdit donc euh, euh, sauf cas très particuliers, mais tout, tout ce qui va être euh, orientation politique orientation sexuelle tout, ouais. tout ça. voilà il y a quelques quelques no-go euh, euh, qu'il faut, qu faut éviter et donc vous retrouvez le, la liste précise sur le site de l'ACNIM ou sur le site de l'ETO finalement sur la partie no-code en fait les, les, ce qui serait presque en fait le plus rassurant c'est soit l'entreprise elle est européenne ou française soit euh, sinon en fait ça, ça doit être de l'open source pour justement pouvoir l'héberger. Euh, c'est euh, okay. le top. Ça, c'est okay. vraiment, à mon sens, hein, c il faut que l'entreprise soit française. Et évidemment, il faut que ses sous-traitants soient, dans la mesure du possible, aussi euh, français ou voilà, hébergés en, en France. Donc, euh, que les outils no-code sur lesquels ils s'appuient euh, soient aussi euh, français. Mais, euh, mais, c mais, mais ça, c'est le top. Euh, boîte française ou open source hébergée en France. Normalement, là, il y a beaucoup, beaucoup moins de sujets déjà. Donc, ça enlève la partie transfert RUE. Il ne reste, entre guillemets, que ce qu'on doit faire de manière classique euh, en, en étant, pour être conforme, hein, c'est des mesures de sécurité, mais qui sont donc celles qu'elles sont euh, attendues par le RGPD. Il n'y a pas besoin de faire plus euh, que, que, que normal, entre guillemets, euh, et, euh, et documenter. Ok, et ça du coup chez Leto, la documentation, c'est quelque chose que, que vous faites aussi. Ouais. D'accord. Exactement. Nous, nous chez Leto, notre notre façon de faire, hein, c'est de pour ça qu'on aime bien les outils de Code, c'est qu'on s'interface en fait avec les différents outils. On analyse les types de données qui sont collectées et ça permet de générer automatiquement la documentation qui va bien en matière de conformité RGPD. Ok, mais du coup, euh, par exemple, vous les données, vous collectez les données en fait les des utilisateurs de euh, non. ou on ne collecte que les, que, les que j'appelle les types de données. Donc nous, on va savoir par exemple si tu utilises Webflow, euh, que tu, tu collectes euh, si tu la partie e-commerce, nom, prénom, adresse, euh, champ de choses. Mais on ne va pas collecter la donnée en tant que telle. On sait juste dans le schéma de données de Webflow. C'est-à-dire, euh, on sait qu'il y a un nom, on sait qu'il y a un prénom, on sait qu'il y a une adresse postale, euh, on sait qu'il y a un code postal, etc. Et ça, ça suffit, puisque ça permet de dire ensuite, bon, bah, ça veut dire que tu fais du e-commerce, donc à un moment tu vas avoir... Un... Un gestion gestion des commandes euh, et donc tu vas collecter ces types d'informations là combien de temps tu vas les conserver euh, qui est ce qui a accès euh, qu'est ce qui te justifie de le faire pourquoi tu le fais etc et ça toute cette partie de documentation là et ben comme on sait que tu es branché à webflow on va très facilement pouvoir te la générer automatiquement ou quasi okay. automatiquement et, et de la mettre à jour. C'est-à-dire que comme on sait que tu utilises Webflow, si demain Webflow change la façon dont il collecte de la donnée, ben on pourra te dire, bah, attention, normalement, il y a un nouveau type de données personnelles où, qui est collecté par Webflow, et donc, ta documentation va changer, et donc, ça rentre le feu automatiquement. Ok, trop cool. Euh, tiens d'ailleurs on est on est sur Webflow. J'avais une question de la communauté euh, Uncode School qui était je trouvais intéressante alors qui, ouais. qui peut paraître un petit peu un petit peu technique mais euh, en fait Webflow euh, donc ils sont hébergés sur AWS aux États-Unis donc ça c'est euh, ça c'est le le, le, ouais. le point suivant. Il euh, y avait une interview euh, du euh, du fondateur, où justement, on lui demandait bah, de plus en plus, est-ce que Webflow allait pouvoir être hébergé euh, euh, en Europe C'était un gros point. Il lui disait qu'en fait, c'est quelque chose qui visiblement ne se ferait pas parce qu'il serait obligé de décupler. En fait, il y aurait une sorte de deux Webflows. Il y aurait Webflow euh, américain ouais. ou worldwide et puis, euh, ouais. et ensuite, Webflow européen. Ça, il disait, je ne peux pas multiplier les équipes en fait sur le, sur le sujet. Ouais. C'est euh, trop compliqué, mais on va faire en sorte d'être le plus euh, compliante euh, possible. Et alors, euh, du coup. Il euh, y, y a quelque chose qui est assez intéressant sur la, sur la question du, du, du formulaire, parce que finalement, c'est ouais. un site vitrine sur Webflow, il n'y a pas de, de problème sur les données personnelles, en fait, euh, pour le coup. Donc, si c'est juste faire ça, ouais, vois, non, a, pas, non, on utilise tu... utilisable pour la partie tracking analytique. Ouais. Donc, euh, toi, on n'a pas Google Analytics, et Webflow, euh, non. Donc, si jamais c'est du vitrine, en fait, ce n'est pas un problème. Mais à partir du moment effectivement il va y avoir un formulaire, là, il va y avoir des questions puisque vous allez récolter en fait de, euh, de la donnée. Et donc, du coup, il y a la possibilité effectivement d'utiliser le formulaire natif de Webflow et donc du coup de récupérer cette donnée directement et du coup qui sera stockée aux États-Unis. Mais il existe en fait, et ça, c'est la question un petit peu plus euh, euh, technique, euh, il existe la possibilité en fait d'utiliser un webhook avec une requête post en fait dessus qui enverrait en fait plutôt ces données non pas dans Webflow, mais dans un outil. Alors, euh, euh, du coup, c'était Vianney qui avait posé cette, euh, cette question dans un outil comme Brevo. Je crois que c'est ouais. le nouveau nom de, de Blue euh, et qui, eux, pour le coup, je crois, sont RGPD compliant. Oh. Donc, du coup, ça, potentiellement, en fait, c'est un moyen de euh, twister. Euh, de RGPD de, de, trouver, euh, de trouver des manières d'à la fois euh, avoir euh, finalement euh, bah, l'utilisation d'un outil aussi génial en fait que, que Webflow et en même temps d'essayer de le rendre le plus compliant possible avec quelques tricks euh, de ce genre-là. Exactement, ça c'est euh, un super hack euh, de le faire comme ça euh, tu vois, ou de brancher un mec euh, qui est euh, boîte européenne euh, euh, dessus aussi. Donc, euh, donc là il y, y a quand même pas mal de façons de de, de, de baisser un peu le niveau de risque euh, compliance, entre guillemets, euh, en, utilisant ce genre de, en en branchant sur Webflow des, des outils qui, euh, qui sont européens. Ok. Euh, petite, petite question que, que j'avais eue aussi, je, je pense qu'on est un peu répondu, mais je veux juste que tu, tu sur ce point-là, tu, tu, euh, tu, tu me raffirmes ce que tu avais dit. Il euh, y a beaucoup de personnes en fait, qui pensent que euh, les données, euh, à partir du moment en fait, où les données sont hébergées en Europe, c'est bon, on est euh, compliant RGPD. Euh, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant, c'est ça Absolument. Ouais, ça, c'est hyper important. Euh, par définition, le sujet de la, de, 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 du transfert Oreo ne concerne pas le transfert géographique, mais le transfert de nationalité. Donc, c'est euh, la, 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 le lieu où est immatriculée l'entreprise qui détermine si, oui ou non, au sens du RGPD, il y a un transfert Oreo. D'accord. Ok. Et donc, l'intérêt d'avoir des, des datas en Europe, c'est plutôt pour moi des, un sujet de performance, tu vois de, parce qu'elles sont plus proches géographiquement quand tu les charges, mais pas tant un sujet de conformité. Ok, d'accord. Donc il y a voilà. quand même plusieurs euh, plusieurs éléments en fait à voir. et L'hébergement en fait n'est pas euh, euh, n'est pas le seul point à regarder, ouais. même si c'est un des points. Enfin, euh, je sais pas si on mettrait des, on pourrait mettre des poids sur euh, sur les différents éléments, mais c'est un poids qui euh, qui est qui est assez fort, mais c'est pas euh, c'est pas suffisant. Ouais, euh, ouais. J'ai euh, Tony qui nous pose une question. Alors, je te la lis. Euh, si l'ID d'un utilisateur, euh, alors attends, hop, je vais la mettre ici. Ouais. Euh, comme ça, tu vas pouvoir la voir. Ça va être plus simple. Si l'ID d'un user, donc un utilisateur, n'est plus relié à des infos personnelles, donc comme un mail, un nom, une adresse, est-ce que ça pose donc pas de souci de garder les autres données Donc, alors, il donne un exemple. Par exemple, dans le cas d'un site qui permet aux utilisateurs de partager euh, des liens. Alors, euh, je sais pas, j'imagine peut-être un bit.ly et tout. Les liens partagés par un user peuvent-ils rester sur la plateforme s'il a supprimé son compte et que j'ai pris soin que son profil… Ah oui, utilisateur n'indique plus euh, d'infos euh, perso. Tu, tu, tu vois l'idée ou… Euh, oh, je ou... Bah, effectivement, l'ID by design, c'est une donnée personnelle hein, dans le cas où euh, c'est relié à des infos quand tu, tu, tu crées ton compte. Ensuite, si tu, euh, si tu, su... si tu sépares l'ID entre guillemets des autres infos, tu vas plutôt ce qu'on appelle le pseudonymiser. Donc, euh, tu sais pas exactement qui c'est. Mais c'est un peu facile si je re retrouvais euh, le lien qui existait bah de, de retrouver l'utilisateur. Là, ce que je comprends, c'est que tu as l'ID, euh, mais euh, tu as supprimé tout le reste. Donc la question, c'est est-ce que d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a les archives, parce qu'il y a un historique, parce qu'il y a un cache, je peux quand même retrouver via l'ID l'utilisateur ou non Ou est-ce que tu n'as pas intérêt à transformer l'ID en une autre, une, autre, une autre chaîne de caractères pour être sûr que d'une manière ou d'une autre, on ne puisse pas re retrouver le sujet Donc, ouais. C'est déjà vachement bien, hein, de, de, cette démarche-là est vachement bien. Euh... Je ne peux pas là comme ça te, te confirmer à 100% que c'est genre 100% in good enough, <laughs> mais en tout cas déjà, si tu n'as aucun moyen de retrouver à partir de l'ID le reste des informations selon toi, déjà on est bien. Ok, génial. Euh, j'espère que j'espère que Tony c'est ok comme euh, comme réponse euh, comme réponse pour toi. Euh, J'en profite euh, d'autres d'autres petites questions qui m'arrivent aussi de la, de la communauté là en même temps. Euh, alors il euh, y a, a Arteball en fait qui euh, notamment en fait sur site sur euh, son site we are glad to comply with Europe mm. General enfin with GDPR en fait Donc, euh, euh, ils disent, bon, euh, on essaye de faire en sorte d'être euh, le plus compliante, en fait, euh, avec, euh, euh, avec, euh, avec le, le GDPR. Euh est-ce que euh, en fait, euh, ouais, quand on va voir un client, ça peut, euh, ça peut nous suffire en fait euh, d'avoir ça et de lui dire, bah non, mais en fait nous on utilise un outil. Euh, toi tu veux absolument cet outil. Euh, bon, on peut pas gérer en fait le stockage de ces données puisque finalement c'est un peu le principe SAS des outils no code. Donc du coup, bah sur son site il y a marqué ça. On fait une capture d'écran, on se le garde comme ça au cas où, si jamais il euh, y a un contrôle, euh, voici ce qu'on pourra dire. Ouais, il y a un peu de ça, c'est un peu le bénéfice-risque. Euh, normalement, tu restes responsable de l'analyse de, 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 de tes sous-traitants, quel que soit ce qu'ils racontent. Donc, tu ne peux pas te baser euh, uniquement sur ce qu'ils déclarent pour, pour te dire, bon, bah, c'est good. Euh, c'est là où la, la lecture, l'analyse de la documentation, donc s'appelle le DPA notamment, le Data Processing Addendum, euh, est importante pour bien voir dans le détail euh, ce qu'ils racontent, ce qu'ils font, etc. Et ouais. quand tu lis sur bah comme je te disais, tu vois, il, ils ne te disent pas, euh, les données sont cryptées, c'est impossible que personne n'y ait accès. Ils te disent, bon, si les Américains, si le gouvernement, le FBI débarquent dans les bureaux, on essaie de vous prévenir un peu avant. <rire> <Okay>. <rire> donc, c'est qu'un sujet derrière de bénéfice-risque. C'est, ok, j'utilise un soutien américain, bon, la conformité, euh, ça, les, ça va vraiment dépendre aussi de la manière dont je l'utilise, en gros. Et donc, si tu es avec un, avec un client, bah, c'est à lui aussi d'apprécier euh, euh, le niveau de risque par rapport à la nature des données qu'il met, quoi. Et donc c'est pour ça que je reviens sur euh, et dans la vidéo où on a fait une vidéo sur Airtable vous retrouvez la, la liste des, de toutes les, les recos, mais notamment euh, la, la durée pendant laquelle euh, la donnée est stockée sur Airtable c'est un, 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 un point important. Si possible, bah voilà, mettre, des, mettre au moins de la pseudonymisation donc des IDs plutôt que la donnée en tant que telle quand c'est possible, mais voilà. Donc à tenter de, à minima euh, Montrer qu'il y, y a des choses qui ont été faites, et aussi justifier le fait que bah, il n'y a pas forcément d'alternative européenne qui tiennent la route pour les fonctionnalités d'Artable. Ça, c'est un point important, c'est de pouvoir dire bah ouais, mais en fait, il y a des choses que je peux faire avec Artable que je peux faire avec aucun autre outil, y compris les, les open source. Tu vois. Ouais. Donc bon, bah il y a un moment euh, euh, C'est pas non plus l'esprit du RGPD de bloquer l'innovation, tu vois. Donc, ouais. euh, donc il faut aussi pouvoir un petit peu le... enfin ça fait un parti des arguments que tu pourrais que tu peux reposer en plus de tout le reste. Okay. Super, trop bien. J'avais une petite question parce que ça me, ça me fait penser. Je m'en souviens à l'époque où ils avaient mis ça. Euh, il y avait la possibilité, en fait, sur. Euh, je crois que c'était sur Instagram mais je crois sur Facebook, les GAFAM avaient mis ça en place, la possibilité de télécharger, en fait, toutes les données qu'ils avaient sur toi euh, sous un format, en fait, qui était un format. Je crois que c'était un format JSON, en fait, euh, pour le coup. Est-ce que ça, euh, c'est aussi un point important euh, que tous les SaaS, toutes les applications en fait, doivent mettre en place la possibilité que l'utilisateur en fait, il puisse avoir un format euh, à télécharger euh, et qui soit un format, je sais pas, lisible ou potentiellement portable. C'est un sujet, euh, c'est un sujet important ça sur le RGPD ou pas la portabilité ouais, des données? Ouais, exactement. C'est un point super intéressant. Il, y a eu, un, il y a eu, je crois que Google a perdu un, a perdu un, un... Procès contre une boîte euh, qui, justement, simplifiait euh, l'export et la portabilité des données euh, personnelles depuis le compte Google pour pouvoir le mettre dans un autre type de service. Et Google, à l'époque, ne faisait aucun effort pour que le, la data soit facilement exploitable. Et donc, ils se sont fait retoquer et ils ont fini par itérer, itérer, itérer pour avoir un truc qui soit réutilisable. Donc, le, le RGPD prévoit un, un certain nombre de droits des Européens euh, que vous allez ouais. retrouver dans tous les, tous les types de politiques de confidentialité. Et dans ces droits-là, il y a notamment le droit à la suppression. Euh, et le droit à l'export, à, à quoi, à, la à récupérer la copie, et à la portabilité. Et donc, en principe, tout bon euh, SaaS qui va être conforme doit pouvoir permettre cette option à ses utilisateurs. Ok. Suppression, ça inclut anonymisation. Et après, évidemment, euh, le droit euh, français euh, peut bloquer certaines suppressions de données. J'ai vu passer la, la plus ou moins la question dans, dans les commentaires. Euh, C'est pas parce que quelqu'un demande à ce que toutes ces données soient supprimées que L'entreprise n'a pas un intérêt légitime à en conserver quelques-unes. Ça, c'est hyper important, notamment justement pour des sujets de fraude, etc. Donc tu peux justifier de ne pas tout supprimer pour te protéger en tant qu'entreprise, mais tu dois supprimer tout ce qui te permet, ne, ne t'est pas utile. Dans les autres points importants du RGPD, il y a aussi ce qu'on appelle la minimisation c'est-à-dire ne, ne pas collecter ce dont on n'a pas besoin. Euh, et ça, c'est un point important. Je pense que quand on utilise des outils no-code, de ne pas faire des formulaires à l'ange, de ne pas aller chercher de la donnée dont on n'a pas forcément besoin immédiatement. Euh, et ça, je pense que c'était un, un point à, à évoquer. Ok, trop bien. Ouais. Écoute, euh, je, je, je pense que déjà, on a posé… il euh, de... <laughs> Comment on aurait encore plein de choses à dire. mais euh... non, non, eh, bah, euh, Alors, attends, moi j'en ai, ai une autre qui arrive aussi. Euh, C'était une question de la communauté, en fait. Euh, ouais. Ça se passe comment, euh, en fait, tu, tu as, en as parlé, hein, c'est une question géopolitique, finalement, le RGPD, euh, et puis euh, versus, par exemple, les États-Unis. J'en parle même pas avec, avec, avec la Chine, euh, pour le coup, parce que je pense que très peu de personnes utilisent des outils no-code chinois euh, <laughs> ici. Donc, euh, parlons, euh, parlons surtout des outils no-code euh, américains. Euh, Il ouais. y a un sujet, en fait, euh, entre les États-Unis et, euh, et, et l'Europe sur ça il va y avoir un rapprochement est-ce qu'il y a, y a, qu y a ouais. un privacy shield 2 euh, euh, qui, qui est prévu euh, ouais. euh, alors il y a pas mal d'annonces euh, pas mal d'annonces euh, un peu tout qui ont été faites là euh, courant euh courant du premier semestre et un peu l'année dernière euh, aussi sur un fond euh, de guerre en Ukraine où euh, on, sera, on, se, on se refait copain copain avec les États-Unis euh, hein. euh, et donc euh, donc oui a priori il y a des discussions en cours euh, dans les hautes sphères pour essayer de trouver une autre façon de, euh, de, 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 de garantir un transfert des données personnelles qui soit au niveau des exigences du, du RGPD la réalité c'est que ça implique quand même surtout des changements euh, législatifs aux États-Unis Okay. Qu a une, une, la fameuse loi Cloud Act qui en gros permet au FBI de faire ce qu'elle veut euh, à cause du terrorisme. Euh, et donc, tant qu'il n'y a pas des garde-fous sur cette loi, des, des choses qui, ont, qui sont mises en place côté États-Unis, voilà, je ne sais pas trop. Donc, euh, c'est donc, sûr qu'il y a eu des annonces sur le fait qu'il y avait une volonté politique de à nouveau trouver un, trouver un équilibre, ouais. euh, mais très compliqué quand même. Un, de donner un vrai calendrier, parce que ça reste des sujets politiques. Deux, ouais. de savoir si ce qui va aboutir sera euh, viable à long terme, parce que maintenant, il y a un réseau, comme on en parlait, de, 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 de lanceurs d'alerte, hein, si je puis dire, euh, qui sont très, très regardants sur justement les, euh, les, euh, les, euh, les, les, les nouvelles lois sur ce sujet. Donc, il y a une, une, une association qui s'appelle euh, NYOB, -N -N None of Your Business, dont, dont euh, Schrems, je crois, est un des fondateurs, et qui euh, bah, fait des commentaires régulièrement sur justement les, les dernières annonces politiques. Et bah, voilà, reste un petit peu... Euh, sur la réserve et dit, bon, bah voilà, on attend de voir, quoi. On attend de voir, mais on sera les premiers, en gros, à dégainer euh, s'il y a un truc qui, 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 qui fonctionne pas bien et, et si ça permet, derrière, à nouveau, notamment euh, aux, aux grosses boîtes américaines, d'aller piller les données européens pour mieux les retaguetter et faire plein d'argent dessus. <laughs> ok. Euh, écoute, très clair. Euh, je ne sais pas s'il y a encore quelques autres questions en fait avant qu'on qu qu termine. On avait dit à peu près 45 minutes. On a un tout petit peu plus euh, dépassé. On peut prendre encore une petite question potentiellement si euh, euh, s'il y a sur le, sur le sujet. Euh, sinon, effectivement, j'imagine qu'on n'a pas été complètement exhaustif aujourd'hui, mais globalement, de ce que je retiens, euh, en tout cas, c'est que RGPD et nos codes, euh, c'est possible, mais à certaines conditions. Et ces conditions-là, donc qu'on a euh, qu'on qu on a cité, je vous inviterai à revoir de nouveau en fait ce, euh, ce live avec euh, avec Edouard euh, sur euh, sur le sujet. Euh, du coup, si potentiellement en fait on utilise ces outils no code, c'est bien de, de respecter en fait ces différents éléments. Encore une fois, j'ai l'impression aussi, c'est un peu l'ambiance dans laquelle je suis en fait quand quand, quand j'entends RGPD, j'ai l'impression qu'on est quand même es en train d'essayer aussi euh, de de twister en fait des 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 heads des head cages un peu euh, un peu particuliers euh, parce que euh, finalement euh, en fait ce serait les États-Unis qui pourraient aller euh, regarder les données sur un serveur, mais aussi il y a quand même des conditions particulières. Je ne pense pas qu'il y ait un gars au FBI qui va se lever en fait un matin et qui va dire euh, « Les gars, là, je, vais, je vais prendre cette, euh, cette PME, je vais aller chez Webflow ou autre parce que ça me fait bien marrer et que euh, je ne suis pas staffé aujourd'hui et donc du coup, je vais aller, euh, je vais aller faire ça. » Je pense que c'est quand même aussi des cas particuliers. Donc… Euh, il, tout pense, à fait. il faut savoir, il faut savoir raison garder un peu sur, ouais, sur ça complètement c'est pour ça que euh, sur le fond il y, y c'est toujours une histoire de, 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 de mitigation du risque entre guillemets ça c'est le premier premier enjeu et deuxième enjeu ensuite il y a, a d'autres comme on disait euh, si on sort deux secondes de ces sujets de transfert horieux ensuite il y, a, il, y a, il y a toute la démarche RGPD euh, à, à mettre en œuvre et qui elle finalement nos codes ou pas nos codes est à suivre parce que bah, on, on est les entreprises européennes et donc il faut qu'on se mette au, au diapason du RGPD. Et ça, pour moi, cette lecture-là, pour les petites structures, elle doit se faire de manière très pragmatique par rapport aux enjeux euh, business au sens large, c'est-à-dire euh, qui sont mes clients et, et, et à quel niveau est-ce qu'ils est est qu sont sensibles à la thématique. Et en fonction de ça, de pouvoir prioriser les actions à mettre en œuvre pour euh, bien se mettre en conformité. Quoi. Mais Donc, il faut avoir la démarche en en enclenchée, ça. c'est ouais, ça, est ça, est ça le... qui est important et je crois que c'est ce qu'il faut retenir bien. en fait de ce bien, que bien. tu nous as dit, c'est qu'en fait, avant tout, c'est une démarche pragmatique. Ne pas le ouais. faire est une erreur parce que vous risquez des choses, mais déjà enclencher la démarche, et eh ben ça fait partie. De votre travail en tant que product builder. Euh, petite dernière question et après on, on arrêtera, euh, on, a, on finira en tout cas ce live de, dessus. Euh, une question également de François-Xavier est-ce qu'il existe une base de données avec les meilleures sociétés RGPD En gros, est-ce que euh, ça, il y, y a un sujet. Il euh, y a un sujet. Hop, pardon. <laughs> est-ce qu'il y a un sujet, euh, y a ouais. un sujet dessus euh... ouais, Je suis embêté pour cette question parce que meilleures sociétés RGPD, qu'est-ce que ça veut dire euh... Euh, euh, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de certification aujourd'hui. Euh, ce n'est pas comme ISO 27001 où tu as un auditeur extérieur qui peut venir tous les ans euh, voir euh, ce que tu as fait et te donner un tampon pour dire ⁇ Ok, c'est bon, tu es conforme RGPD ⁇ Donc tous les gens okay. qui mettent un petit logo conforme RGPD sur leur site, c'est bullshit. Euh, ça, c'est important à avoir en tête. Donc, euh, compliqué de dire ⁇ Est-ce que je suis une bonne, une meilleure société RGPD ?⁇ euh, c encore une fois, comme c'est une démarche, euh, ça va être plutôt dans l'analyse et l'audit à chaque fois de l'entreprise qu'on va pouvoir savoir ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas encore fait, ce qu'elle est en train de faire pour savoir si euh, elle, elle, est, elle, est, elle est à un bon niveau de. De conformité ou non, donc non, je, à ma connaissance, il n'y a, a pas de boîte, il n'y a pas de boîte enfin, il n'y a pas de, de base de données de, de ça. Euh, pareil, c'est pas parce que tu as un DPO qui, qui est déclaré à la CNIL que bah, ça y est, c'est bon, tu conforme. Il y a plein de boîtes qui sont fonctionnées qui avaient des DPO, parfois même des mm. DPO experts et externes. Euh, donc, euh, donc, le sujet il est, il est, ouais, il est un tout petit peu plus compliqué pour le moment, mais euh, d'après les informations que j'ai, il y a aujourd'hui une réflexion de fond euh, à la CNIL pour construire à terme une certification et donc vraiment pour le coup, une vraie démarche, une vraie procédure cadrée qui permette à la fin d'aboutir à un genre de diplôme clair, officiel, reconnu, euh, pour dire bah voilà sur tel tel cas d'usage, je sais il a été acté par un acteur extérieur et neutre et indépendant que je suis conforme au RGP. Mais euh, c'est qu'on progresse, on espère que ça sortira. Euh... Fin d'année, début l'année prochaine, a priori, les premiers mois. D'accord, oui, mais quand même, c'est dans les, les, les prochains effieux, mois, en fait, des... euh, visiblement, sur, voilà. sur ça. Ok, euh, super. Écoute, euh, un grand euh, merci, Edouard, pour, pour euh, toutes ces explications euh, que moi, j'ai trouvées euh, trouvé extrêmement claires, en fait, euh, sur ça, et qui nous permettent déjà, en fait, d'avoir des points d'ancrage sur euh, bah, les moments où on va construire, en fait, des, des, des outils no-code. Encore une fois, moi, j'insiste, mais effectivement, chez Uncode School, on fait de la formation. Sur les outils no-code, c'est un sujet en fait qu'on essaye d'aborder. Alors c'est pas un sujet qui est simple, mais je pense que il faut le voir également en formation. Quand vous vous formez, l'idée c'est pas juste de faire clic-clic et de faire des fonctionnalités. Vous voulez faire quelque chose, non pas seulement qui fonctionne, mais quelque chose qui dure. Et pour durer, et ben la question du RGPD finalement c'est une vraie euh, question. Donc euh, merci beaucoup en tout cas, euh, Edouard, de nous avoir euh, éclairé en fait sur cette euh, question-là. On va en terminer euh, ici. On aura quasiment passé une heure ensemble en fait pour essayer de, de débroussailler un petit peu ce sujet du RGPD et du no code, je vous invite du coup à aller euh, sur l'étau.legal euh, bah, déjà pour retrouver donc euh, le logiciel euh, que vous avez créé euh, avec, euh, avec ton équipe. Euh, Edouard, on peut te suivre où On peut te suivre sur LinkedIn, euh, LinkedIn. j'imagine. Ok, ouais. LinkedIn, très bien. Pas de Twitter, euh, LinkedIn surtout, c'est ça LinkedIn, LinkedIn et, et un peu de YouTube. Ça marche. Ok. Bah alors du coup, je vous invite également à vous inscrire à la chaîne, à vous abonner à la chaîne YouTube donc de, de Leto oui. si vous voulez suivre ça et avoir euh, d'autres conseils sur, euh, sur le sujet. Euh, moi, euh, ce que je fais, bah, c'est que juste, je vais vous souhaiter une... Très bonne journée euh, à tous ou une bonne soirée en fonction du moment où vous allez regarder donc, euh, ce webinaire. Euh, si jamais euh, la question de la formation vous intéresse, je vous invite également à vous abonner donc, à la chaîne YouTube euh, d'Uncode School et à aller voir euh, nos différentes formations euh, sur le site. Edouard, encore un grand merci pour ça. Je te oui, souhaite je une très pas. bonne journée à tous. Je vous souhaite également une belle journée merci. et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. A plus. Ciao. Bonne journée, à bientôt.